58, compte rendu philosophique. Art, communication, esprit, 13300. 58, compte rendu. Avec Nietzsche, le XXe siècle a été celui des nihilistes. L'être humain ne pouvait pas croire en un dieu. Au XXe siècle, il y a davantage de génocide, de totalitarisme. L'amour, Dieu n'est pas intervenu. S'il existait, il n'avait pas besoin d'intervenir. Cela entraîne la désespérance. L'innocence est tuée. La solitude est extrême et elle est implorante à cette présence qu'il y ait de l'esprit. Qui vient chercher l'être humain? Qui a été abandonné? Il n'y a pas de morale. Pour Nietzsche, il y a de fausses divinités, des dieux d'invention. Dieu est construit par l'être humain. Pour Sartre, je n'ai trouvé qu'un patron. Pour Dostoïevski, Dieu, je te rends mon ticket. Rien ne peut justifier que des innocents souffrent, meurent. Mais qu'est-ce que fait Dieu? Ce ticket est trop cher. On ne peut pas s'arranger l'histoire. Le bien finira-t-il par triompher? L'être humain, est-ce que cela a une signification? La croyance ne vaut rien. Le monde ne poursuit que sa propre fin. La croyance est sécrétée par les pauvres. Ce sont les croyances en Dieu qui doivent mourir. Dieu est trop parfait et cela entraîne qu'il existe le mal. Les imperfections, la mort, la douleur entraîneraient que Dieu n'existe pas. Faisons comme si Dieu n'avait pas provoqué ces imperfections. Ainsi, ne responsabilisons pas Dieu. Il n'y est pas. Qui est responsable? Pourquoi Dieu laisse faire tout cela? Est-ce une folie de Dieu? De Dieu lui-même? Est-ce une liberté octroyée à l'être humain? Sommes-nous seuls dans l'univers pour un être humain qui cherche l'esprit? Cela entraîne la démence, la folie. C'est ce qui est arrivé à Nietzsche. Pour les Juifs, leur Dieu est dans l'histoire. Le Dieu du Juif n'intervenait dans l'histoire, au cœur de son histoire, au moment où on en a besoin de lui. Dieu n'est nulle part. Avant, dans les moments désespérés, il y avait intervention, des miracles. On peut faire un parallèle d'être capable de perception comme là avec la foi. Fonder sa vie sur un paradoxe fondamental qui nous fait croire en une non-normalité, est-ce une réelle foi? Il n'y a personne pour attester qu'il est là. Le Dieu de la mort est camouflé en bon Dieu. Or, c'est un révélateur dans l'histoire de la nature maligne de l'être humain. La carte de la non-violence induit le concept pervers sécrété par Gandhi. Comment donner un alibi à Hitler? Pourquoi dire à Hitler « Vous êtes le grand purificateur » en 1937 par Gandhi? Cela active un nouvel âge. Quelle est la nature du courant qui porte l'être humain? Pour Rasputin, cela entraîne une réaction, une manne, une collaboration. Ce peut être léger. Depuis le début, Rasputin avait un plan. Il était inspiré. Cela implique qu'il est un conducteur. Cela a entraîné le lévinisme, les gardes en Union soviétique. Être tué par un noble soviétique implique-t-il la gauche prolétarienne? Avec Jaurès, une lettre les fait apparaître dans une monstruosité. Est-ce un alibi? Pourquoi utiliser les manœuvres de la révolte? Est-ce que l'on aime vraiment quelqu'un?